Bonjour, Duncan. Venez par ici. Edward ! Bonjour, Edward ! J'ai trouvé un acheteur pour le reste de mon sucre. Une excellente affaire, je suis ravi. Il vous a appelé Edward ? Oh, c'est le marchand qui m'a conduit ici. Par précaution, je lui ai donné un faux nom. Ah, ingénieux. On se reverra, Bonnet. Plus tard. Vous êtes ponctuel, Duncan. Par ici. Le voilà. Un homme que Templiers et Assassins ont cherché pendant plus de 10 ans. Il paraît que vous vous appelez Roberts. C'est juste ? Vous reconnaissez ceci, j'en suis sûr. Selon les vieilles légendes, le sang d'un sage est requis pour entrer dans l'observatoire. Nous avons la clé. Reste à savoir où il se trouve. Peut-être Monsieur Roberts nous apportera-t-il cette précision. Conduisez-le à ma résidence. Tout cela pour un seul homme. Cet observatoire a-t-il donc une si grande valeur ? Si, Sinoda. L'observatoire a été bâti par la race des précurseurs. Sa valeur est inestimable. La race des précurseurs. Je vois. Dans l'une de vos premières lettres, vous me faisiez part de votre désir de tuer Atamai, leur mentor Maya. Avez-vous été capable de mener à bien ce contrat ? Je n'ai pas pu, non. Trop de complications en chemin. C'est regrettable. Mais les cartes que vous nous avez livrées nous permettront d'y remédier. Oui. Je l'espère. Cet itinéraire ne me plaît pas, Torres. Nous sommes exposés. Quelque chose me gêne. Restez près de moi, grand maître. Je le ressens aussi. Ne les laissez pas s'emparer du sage. Protégez-le à tout prix. Les assassins ! Là-haut ! Sur les toits ! Agile, il faut le reconnaître. Arrête-toi, t'es en train de te fatiguer pour rien.
Reviens, ou je vais te briser les genoux! Tais-toi. Nous allons le conduire en prison, grand maître. Doublez la garde. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que la journée aura été agitée. Si, pris en souricière par nos ennemis. Nous avons manqué de prudence. J'aurais voulu rester pour la suite des opérations, mais je dois profiter de ces vents et faire route vers l'Angleterre. Je comprends, capitaine. Que la mer vous soit indulgente. Avec de la chance, je reviendrai en habit de gouverneur. Avec la bénédiction de mon crétin de roi, de surcroît. Adios. Quant à vous, monsieur Walpole, voici le premier versement d'un investissement à long terme. Gracias. Je vous remercie. Je souhaiterais que vous soyez présent à l'interrogatoire demain. Venez vers midi. Bien, monsieur. Buenos días. Espero que esté bien. Nunca he vendido pescado que no estuviera fresco.
plaisante, n'est-ce pas? Tout ça pour un salaire de misère. 1000 reales pour ces satanées cartes. Ça fait quoi? 100 livres, pas une de plus. Qui peut espérer s'enrichir dans un monde à la solde d'un misérable avare comme Torres? Avez-vous déjà travaillé dans une plantation? Tu sais à quoi je pense? Je voudrais bien voir cet observatoire dont le gouverneur parle sans cesse. Il a dit que c'était une sorte de machine capable de suivre les gens et de savoir où ils sont. Une idée grotesque. Imaginez ma vie si ma femme disposait d'un tel avantage. Et toi, imagine la valeur d'une telle chose. Si je trouve le bon acheteur, je serai le plus riche des pirates. Des corsaires des Caraïbes. À plus tard, Bonnet. Il y a un sage avec lequel je dois m'entretenir, en privé.
Quel est ton vrai nom, Vaurien? C'est... Capitaine va au diable. Rien qu'un pauvre paysan. Où est le sage? Est-ce toi qui l'as libéré? J'ai rien à voir là-dedans. Mais ça m'aurait pas déplu. Emmenez-le au port. Envoyez-le à Séville avec la flotte du trésor. Attendez! Je vous ai donné tous vos trésors, non? Oui, en effet. Mais tu nous as dérobé Duncan Walpole. Quel spectacle lamentable! Cet ivrogne est un homme fini, Caroline, incapable de vivre sur terre et encore moins en mer. S'il part dans les Caraïbes, c'est toi qui souffriras. Père! Père! Allez, Edward. Relève-toi. Ce vieux misérable! Il se trompe sur moi! Je l'espère bien. Tu me crois, toi, au moins? Tu m'imagines pas? Sur le pont d'un immense navire qui entre fièrement au port. Et moi, je serai un homme respecté. Des milliers de doublons tomberont de mes poches. Comme des gouttes de pluie, j'en suis certain. La cena, cómetela rápido. Tu as faim ?